Bon. Je suis là. Bon, bonsoir. Allô. Bonsoir. Je suis avec Sucrome. Je suis Nono. Heureux de pouvoir caster ici. Moi, bonsoir, je viens surtout bonsoir. Pour cast Fubuki qui passe juste après. Moi, c'est pour la hype que je viens. Oui. Oui. Ouais. Okay. Je suis dans un cul là. Ah ouais. Bah ouais, genre même là aujourd'hui vraiment mais. En fait c'est genre mes doigts ont pas suivi et ouais. La manette encore moins. Ah bon, même la manette neuve. Enfin, non, justement la manette neuve ça allait. Ouais. Mais disons que ouais, premier set c'est ma manette Ribozo. Ouais. Et ensuite après c'est juste moi, mes doigts et voilà. Hein. Après ça, t'as gagné quand même. Bah non, contre Bouquet, je perds. Ouais. mais je disais quand par rapport à la manette. En plus, j'ai perdu, c'était trop nul, vraiment. C'était nul. Un petit peu. C'était nul dans le sens où vraiment c'est genre juste mes doigts qui suivaient pas parce que vraiment j'avais toutes les reach, j'avais tout ce qu'ils voulaient faire et tout. Oui, t'as été meilleur, mais. Non, du coup, non. toujours les trucs. Non, j'étais dans sa tête, mais bon. Mes mains, ouais, là, elles marchaient pas. Non, je faisais les bonnes couvertures, les machins. J'arrive même pas à side B avec Félin, genre. Ah ouais. Skin. À partir de là, c'est le premier signe d'un AVC, ça va pas savoir side B avec Félin. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est parce qu'il y a Striker dans le match, dans le tournoi, et du coup, je dois l'esquiver, c'est normal. Ah, c'est vrai qu'il est venu. Ouais, du coup, j'ai dit j'allais 0-2, bah je suis pas là. Hein. Pas loin. Bon, est-ce que c'est vraiment 0-0 ici, le set Bill Ball? Apparemment. De ce qu'on m'a dit, ça vient de commencer, et. Ah ouais. Et voilà quoi. Ça vient de commencer, il y a eu le temps d'avoir 25 sets des winners et 33 losers à peu près. Ah justement, je crois que quand j'ai commencé à jouer mon set... Et il y a eu que 4 stocks d'enlevés, en tout et pour tout. Ouais, 2 minutes 45 sur le chrono, est-ce que c'est bon pour... Putain, le nerf qui va rater. Okay. Ah, ils sont pas mis un joueur 2 comme il faut. Non. Ah ouais, casse les couilles en plus. En plus, il a mis le truc moche là. Oui. Ok, ça marche. Contre qui? C'est ça? Oh, Miskin. Comment ça, Miskin? Ah, j'adore. Qu'est-ce que. Ouh! Let's go! Hero Peach Banjo! Un problème avec Peach, c'est le perso le plus stylé du jeu. Je sais pas, je joue deux persos qui te disent le contraire. Ouais, bah. Après, voilà, c'est. Ça, c'est donc ça, être aigri. Ah, ouais, là. Ah t'inquiète pas, couché à 6h du matin, oui. Je ne peux être que aigri. Mais pourquoi vous êtes tous couché si tard là? T'inquiète. T'inquiète. Ouais, bah, je m'inquiète pas. Ouais. T'inquiète. Si on se croise en loser, ça te donne une chance de gagner contre moi, c'est pas mal. Hein. Ouais, bah écoute, je suis déjà out, j'ai perdu non. Contre Steve. Si t'as fuck Steve. J'ai pas perdu contre Sky, hein. J'ai perdu contre Steve. Oh. Je tiens à le noter. Oh. Alors que ça, c'est vraiment... c'est trop stylé. Ça, c'est vraiment le setup le plus hype, genre de la Terre en fait. Et. Les gars, inversez joueur 1 et joueur 2, s'il vous plaît. Par pitié, sinon ma mère meurt et la planète explose. Par pitié. Ok, c'était bel et bien la première game. Le match, c'est un lundi, carrément. Ah, vraiment. C'est plus qu'un lundi, c'est le début de semaine. Oh, le match, il est long. Dis-toi, je suis... Monsieur Popo, technique. C'est pas inverser les joueurs, car il est sourd. Tu sais qu'en théorie, on est arrivé sur le cast... Sur la fin de la game. Ouais. Et pourtant il restait... La fin de la game en question. Et pourtant ça dure encore 3 minutes. Ah c'est trop. Putain le banger quoi. Se faire toucher par un retour de couronne de Bill Ball. La oui. Honte, la honte. Non mais lui aussi il va dire c'est la manette. Ouais. Oh putain les gens qui jumpent sur la manette quoi bref. Terrible. Bon ça repart sur Battlefield là. Je sais pas qui s'avantage le plus mais... C'est une super bonne map pour Karoul, mais ouais, le truc c'est que Rosa c'est en fait elle, pour plus. Pour ouais, Rosa aussi, elle peut se permettre en fait de pas mal juggle, et Karoul ça prend super bien les juggles, du coup il y a un monde où la map ça va aux deux. Ouais. Mais moi je dis il y a un monde où avantage Karoul parce que suffit qu'il se retrouve sur la troisième plateforme, Harmony et un EPR à 40 ça tue quoi. Peut-être un peu plus, voilà. Un donner à 40 ça tue aussi, mais dans l'autre sens. Putain, mais bien vu ça. On s'est endormi côté Popo au ledge. On a fait bon allez, je vais sortir une petite drifting. I sleep. Voilà, I sleep en attendant les deux pieds dans le visage. Ok, est-ce que Monsieur Popo qui va pouvoir remonter le petit jab qui envoie dans l'autre sens et qui met 140 milliards de pourcents. Ouais, je voulais donner la stat mais j'ai mal vu. Du coup j'étais pas sûr. Environ, ah le désavantage qui va être terrible et non c'est bon le nerf. Est-ce que c'est bon pour son gros corps et on roule parce que en fait il y a un truc qu'il faut savoir. Voilà pour
Smashologie comme on dit, c'est que tous les gros persos ont une super role. Font partie des meilleurs ledge roll. Donc Karul c'est genre top 5 je crois des meilleurs ledge roll du jeu. Écoute, moi je sais que Peach et Daisy sont top 5 aussi et pourtant. Oui, top 5 aussi de tout. Bah ouais, top 5 roll, top 5. Non top mais 5, juste top 5 points en fait. Oui, si voilà. Tu t'arrêtes là. Oh, ça tue pas, mais putain, Rosa, ça galère à tuer aussi. Quel perso de merde, Rosa. Oh my god, est-ce qu'il va tuer? Il a pas de kill fall, frérot. Il veut pas envoyer un haut pour juggle, genre, au lieu de. Non, en plus, à chaque fois, il arrive jamais à ledge trap. Tu proposes de trop bonnes solutions. Je propose trop de réflexions. Voilà. C'est trop intelligent pour moi, je préfère dire non. Et quand trop intelligent pour monsieur Popo. Bah, il va se prendre le upbeat, tout le backer. Ah, if I speak, mérité. Mais non, mais c'est le truc le moins trou de la terre. Ah ouais? Ouais. Ah, parce que je sais qu'il peut faire des trucs, mais. Non, mais souvent tu peux lancer un aéré ou un truc comme ça. Ouais. Mais là, on parle de re-sauter, mettre un backer et le backer il sort genre frame 42, genre. Ouais. Pourtant, ça avait l'air vachement trou quand même, mais. Dommage de Zinzin qui va high profile le crabe. Dommage parce que là il était mort sur un break shield. Vraiment. Oh mais il lui fait un boulot de Zinzin d'un gris noir et il a essayé de le tuer. Monsieur Popo qui devrait peut-être se ressaisir. Ah, on n'a pas tenté la danse parce qu'on sait que il va casser. Ok, il va. Ok, let's go. Ok. Oh son gros ventre là. Finito. Délicieux. Pipo. Délicieux son gros bide. 2-0, assez autoritaire. Et on va passer sur du coup Echo Fubuki. Voilà, Fubuki, l'étoile montante qui a battu des joueurs d'exception comme moi. Et voilà.